Bienvenue dans cette édition de Direct. Le président de Fatah Issis a inauguré hier la 8e édition de la Conférence nationale de la jeunesse et qui a eu lieu en fait au palais des congrès d'Al-Manara au Nouveau Caire. Ce soir, nous allons parler des sessions justement de cette édition de la Conférence nationale de la conférence. Beaucoup de sujets ont été débattus hier et ce soir, nous allons jeter la lumière et sur l'intervention du chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, et sur les questions qui ont été aussi posées à Monsieur le Président. Tout ce qui a rapport avec la journée d'hier, ce sera dans la partie débat, justement pour vous rappeler qu'il s'agit justement, comme je viens de vous le dire, de la 8e édition de la Conférence nationale de la jeunesse, lors de la première séance de la conférence consacrée à l'évaluation de la lutte contre le terrorisme sur le plan local et régional. Le président Sissi affirmait que le terrorisme et l'idéologie terroriste n'auraient pas dû réussir sans le parrainage de quelques pays. Le président Sissi a ensuite assisté à la deuxième séance intitulée « Influence de la propagation des mensonges sur l'État à la lumière des guerres de la quatrième génération ». Avant de passer à la partie débat, je vous propose une tournée parmi justement l'actualité, puisque le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly a affirmé que le gouvernement tient à lever graduellement le taux de croissance économique pour atteindre les 8% avec le début de 2020. Le gouvernement tient également à renforcer le rôle de l'investissement dans le secteur privé, à relancer le processus de développement susceptible d'améliorer l'environnement des affaires, surtout en ce qui concerne le mécanisme de la fondation des compagnies et de nouvelles régions d'investissement. Ceci est intervenu lors de l'allocution qu'a annoncé Dr Madbouly à l'inauguration de la 43e édition du Conseil des gouverneurs des banques arabes et des institutions monétaires arabes, avec la participation de plus de 200 banquiers et économiques arabes. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a reçu aujourd'hui son homologue kenyane, Monica Juma. La rencontre a porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales. Les deux homologues, ou les deux chefs de la diplomatie, ont échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun régional et africain. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur réunion, le chef de la diplomatie a annoncé que les pourparlers sur le barrage de la Renaissance auront lieu dimanche. Il a déclaré que l'Égypte appréciait les efforts déployés par l'Éthiopie. De son côté, le ministre, ou plutôt la ministre des Affaires étrangères du Kenya, a déclaré que l'Égypte et le Kenya coopéraient dans de nombreux domaines, notamment le commerce. Le Caire a accueilli aujourd'hui la 30e session de la conférence du Conseil des affaires islamiques qui s'est tenue, comme je viens de vous le dire, ici au Caire, sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi et la présidence du ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gomara. La conférence a discuté de 43 recherches sur trois axes importants et témoigne en fait d'une participation internationale élargie. Parmi les sujets qui sont débattus ou qui ont été débattus figure la discussion justement des opinions des sages musulmans sur la fondation de l'état civil selon une vision moderne. Et on termine avec le ministère de l'Intérieur qui a annoncé aujourd'hui un communiqué, ou qui a publié plutôt un communiqué sur un nouveau bilan de l'opération globale antiterroriste Sinaï 2018. Selon le communiqué, des terroristes qui planifiaient de nouvelles attaques contre l'armée et la police dans la région du nord du Sinaï ont été tués. Et là, retour justement à notre sujet de ce soir, à savoir certainement la 8e édition de la Conférence nationale des jeunes. Ça va être, comme je viens de vous le dire, très prochainement dans la partie débat. Mais à présent, je vous laisse avec une petite pause.
Comme je viens de vous le dire, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, a assisté hier à la 8e conférence nationale des jeunes tenue au palais des congrès d'Al Manara, au Nouveau Caire. Et là aussi, je vous rappelle que lors de la première séance de la conférence consacrée à l'évaluation de la lutte contre le terrorisme, sur le plan local et régional, le président Sissi a affirmé que le terrorisme et l'idéologie terroriste n'auraient pas dû réussir sans le parrainage de quelques pays. Là, tout de suite, donc, je vous propose un commentaire sur cette session. Je vous rappelle justement qu'on a assisté à l'inauguration du forum, le Premier ministre Mustapha Madbouly et le président de la Chambre des députés, Dr Ali Abdelrahel, ainsi qu'un certain nombre de ministres et de hauts responsables de l'État, outre 1 600 jeunes de différents secteurs du pays. Et là, la lutte contre le terrorisme était le thème de la première séance tenue dans le cadre justement de la 8e conférence nationale des jeunes et à laquelle, comme je viens de vous le dire, le président Sissi a assisté. L'idéologie du terrorisme n'aurait jamais réussi si elle ne disposait pas d'incubateurs et de parrains au niveau des États, a affirmé le président Abdel Fattah Sissi lors d'une séance intitulée « Évaluation de l'expérience de la lutte contre le terrorisme au niveau national et international » tenue dans le cadre de la 8e conférence nationale des jeunes. L'armée égyptienne est le véritable centre de gravité dans la région. L'affaiblissement de l'État national est l'objectif principal du terrorisme, a souligné le chef de l'État, rappelant que le terrorisme avait été instrumentalisé pour semer la destruction en Syrie, en Libye et dans des pays d'Afrique centrale et qu'aujourd'hui il œuvre à épuiser l'État égyptien. Le président a plaidé pour un discours religieux allant de pair avec son époque, estimant que le terrorisme en tant qu'idée diabolique a la religion et l'humanité dans son collimateur. Le président a également rappelé que de 1980 à 1988, le terrorisme avait été utilisé pour réaliser des objectifs politiques loin de la légitimité. Ont également participé à cette séance le Premier ministre Mustapha Madbouly, le président de la Chambre des députés Ali Abdelrahel et le général Mohamed Zeki, ministre de la Défense, ainsi qu'un nombre de ministres et hauts responsables de l'État, outre 1 600 jeunes des différents secteurs du pays. Le directeur du Centre égyptien d'études stratégiques, Khaled Hawkesh, a affirmé que les attaques terroristes menées le 11 septembre 2001 à New York constituent un tournant dans le développement du phénomène du terrorisme. Il a rappelé que la période de 1980 à 1990 avait témoigné du début des organisations terroristes au sein des conflits, commençant par l'Afghanistan et ce qu'on appelle le djihad mondial. Il a expliqué que les attentats du 11 septembre avaient marqué la nécessité de former une coalition internationale sous la direction des États-Unis, laquelle regroupe environ 20 pays pour lutter contre le terrorisme. Quant aux caractéristiques qui distinguent les organisations terroristes à l'heure actuelle, la directrice du programme de sécurité et de défense, Talal Mahmoud, a souligné qu'au début de 2017, le terrorisme a revêtu un nouveau caractère qui est lié à la situation politique. À partir de 2011, la région a connu de grands changements dont les répercussions se reflètent sur le monde. De 2011 à 2019, le terrorisme est devenu un acteur politique, étant donné que son objectif ne se limitait pas à influencer la politique de l'État, mais s'était étendu à renverser l'État lui-même et s'est encore développé quand une des organisations terroristes s'est autoproclamée État, tentant d'imposer sa souveraineté sur le pays, a-t-elle fait savoir. Elle a évoqué le conflit dans la région, affirmant que les organisations terroristes travaillent avec une grande liberté, ce qui révèle l'existence de partis qui les financent. Elle a poursuivi en disant qu'il y a un grand développement dans l'action terroriste, vu l'augmentation du nombre des organisations terroristes variant de 67 à 100 groupes opérant dans plus de 44 pays, tandis que le nombre des éléments takfiri affiliés à ces organisations s'élève à 230 terroristes, dont 26% se trouvent dans la région du Moyen-Orient, selon les statistiques mondiales. D'après les estimations des Nations Unies, le budget de l'organisation terroriste Daesh après sa défaite et sa sortie de ses fiefs en Syrie et en Irak atteint 300 millions de dollars, a-t-elle repris, révélant que 88% des revenus de Daesh provenaient de la contrebande des produits pétroliers et gaziers, ce qui confirme le lien entre les intérêts politiques de certains pays et quelques organisations terroristes.